À la rencontre d'eux, et c'est comme d'habitude le Phoenicia Hotel qui nous accueille, situé au sein du 16e arrondissement. Alors si je vous dis 9-3 tu peux pas test, 93 hardcore ou encore tu sais qui je suis, bref, après avoir pondu des classiques du rap français, Mac Tailleur sort de l'ombre pour arriver vers la lumière avec son tout premier album Je suis une légende, signé chez Monstre Mara Corporation, rencontre avec celui qu'on appelle le Général. J'ai la force mentale, déterre tel un camère. C'est mon flow hélicoptère qui me maintient dans les airs, qui me sort de la galère. Je vendrai encore de la coke, je vendrai encore du bédo. J'irai encore des envies de meurtre sur Trollo. Un loupard qui roule en queue. Facile de voir les gens se dessouder. Je respecte les familles solides, les frères qui restent soudés. Famille Youssef, famille Lakbi, famille Oulmedi, famille Niakate, famille Sissoko, famille Ba, famille Adoba, famille Amirsa, famille Doumbia, famille Dramé, Riton Krasik et la famille Borja. J'en place une pour les valeurs familiales. Si bif il y a, on va tous manger des liasses et c'est normal. Que je fasse du rap c'est normal, qu'Anelka fasse croquer ses refs c'est normal, que je représente mon 9-3 c'est normal, que je te baisse si tu me fais du mal c'est normal, qu'un jour je fasse disque d'or c'est normal. Bonjour Mac Tailleur. Salut mon pote, comment tu vas? Bah écoute impeccable, moi je suis heureux de te recevoir en fait ici, au sein de l'émission à la rencontre 2, à propos de ton nouvel album qui s'appelle Je suis une légende, yes. Qu'on avait vraiment attendu et encore plus avec surprise, je dirais, depuis que tu avais signé justement chez Monstre Mara Corporation, oui. Via Universal. Comment est né ce titre d'album audacieux, Qui je suis légende? C'est assez audacieux de le nommer ainsi. Est-ce que tu pourrais nous dire comment est né ce titre? Ben, il est né dans la continuité de mon combat, on va dire, que j'avais repris vraiment, vraiment avec les Freestyle Untouchable et les séries de street albums, les bangers. Et de ça, il y a un buzz qui s'est vraiment créé, qui a créé une signature que j'ai acceptée au sein de Monstre Marin. J'ai dit maintenant que j'aurai toute la patate qu'il faut. Il faut que je rende hommage à tout ce que j'ai pu faire et à tout ce que j'ai pu traverser dans le rap, toutes les époques et tout ce que j'ai pu ramener. Donc je l'ai appelé Je suis une légende. Lorsque tu as signé chez Monstre Marin, tout le monde s'attendait à ce que tu rentres dans le moule de tubes préfabriqués pour la radio. Comment t'as fait pour apposer, conserver ton identité musicale face à un géant comme Universal Music? C'est justement pour ces raisons que j'ai signé chez Monstre Marin. À la base, tout le monde s'est dit que Macaire, c'est un truc de ouf, il a signé chez Gims et tout. Vu que je m'auto-proclamais, tu vois, roi de l'indépendant ou je sais pas quoi. Mais ils savent pas que si on n'avait pas offert l'opportunité à Gims d'avoir un label au sein des grosses institutions, j'aurais pas signé. Parce que là, on est entre nous, entre gens du mouvement. Et des gens, c'est des petits frères, c'est des gens qui savent que j'ai une expérience beaucoup plus prononcée. Donc ils ont confiance en 100%. C'est comme si j'étais encore en indé, sauf que j'ai la patate et des gens qui me suivent. C'est la même chose. Quand j'ai signé chez Muggy, ça a déchaîné les forums. Je connais l'argent, je connais le pouvoir, mais je connais pas la victoire. Je vis jamais dans le passé, je ne regarde pas derrière moi. Heureusement, j'ai les petits refs qui sont là. Mes détracteurs ont tous le même âge que moi. Qui même me suivent, sinon va sucer les autres. Je suis pas le père de ce rap français qui vient de perdre les os. Est-ce que pour toi cet album-là, il sonne pas comme une revanche pour toi par rapport aux autres rappeurs qui pensaient que tu n'arriverais jamais à quitter l'environnement pour la lumière? Un peu, c'est un album de revanchard, c'est un album surtout de persévérance, c'est un album de combattant, c'est surtout ça qui ressort. C'est un album d'espoir. Et après, bon, maintenant, il y a parfois des petits coups de gueule qui sont poussés pour dire que vous inquiétez pas, je sais que vous avez jamais vraiment voulu que ma terre puisse passer un cap. Et voilà, donc c'était histoire de mettre les choses au clair. Mais pour quelle raison, en fait, ils ne voulaient pas que tu perces, en fait Parce qu'il y a des artistes que s'ils sont en avant, après, c'est difficile de les suivre. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours été avant-gardiste, mais heureusement que j'étais pas en avant. Si j'étais en avant et avant-gardiste en même temps,
ça aurait pu mieux, j'aurais pu être plus loin que je l'étais, plus loin que je le suis actuellement. Et donc c'est à cause de ton côté avant-gardiste, plus que les portes se sont fermées pour toi par rapport aux autres rappeurs ou aux éventuels. C'était ma carrière indépendante, c'était mes choix d'indépendance, mon évolution en autarcie. Tout ça, c'est dû un peu à moi aussi, tu vois, parce que je voulais pas me mélanger avec tout le monde. Et je me rendais pas compte que lorsqu'on est indé, il y a des portes qui peuvent ne pas forcément s'ouvrir. Mais je voulais absolument, à la base, quand je faisais de l'indépendance, c'était pour montrer aux gens que un artiste qui vient des cités peut gérer son business. C'était ça ma volonté première, hein. C'était pas de péter des disques d'or en indé, c'était de montrer déjà que un rappeur indépendant peut faire pas mal de choses. Et aujourd'hui, quand on regarde le bagage que j'ai à la veille de sortir cet album-là, bah, tu te dis que c'est incroyable. Je connais pas d'artiste qui commence à se faire connaître du grand public avec autant de bagages derrière. C'est vrai qu'en lendemain, tu as 15 ans de carrière, ouais. Tu as 6 albums à ton actif, plus plein de projets, après tu as des bangers Et c'est vrai que ça fait beaucoup en fait pour ceux qui ne te connaissaient pas encore. Ouais, et c'est pas que des projets, c'est des projets qui ont compté. Non, il y a beaucoup de projets qui ont été des éléments clés dans l'évolution du hip-hop. Et c'est bizarre d'être exposé 15 ans après avoir amené des choses très très fortes dans le rap à des périodes. Il y a même des jeunes là qui doivent me découvrir mon passé en se disant mais il y a une incohérence, c'est bizarre. Comment il a fait tout ça et on l'a pas vu et là il est là. Tu vois, c'est bizarre. Quand on écoute mon album Je suis une légende, on n'a pas l'impression que c'est quelqu'un qui a fait autant de disques derrière. Parce qu'il est frais, il a un truc de fraîcheur, il a du fond. Et tu vois, le fond se perd un peu. Soit il y a du fond, il n'y a pas de forme, soit il y a du forme, il n'y a pas de fond. Et je trouve que ce disque, il allie les deux, il sort un très bon moment dans l'évolution du rap français actuellement. Ne me convainc pas à tous ces rats qui n'ont même plus la mentale. Dans les larmes de nos mères, c'est la noyade, mais je garde l'instinct de survie. J'en ai fait des choses incroyables, à se demander comment je suis en vie. Est-ce que toi, tu t'estimes être une sorte de vétéran miraculé? C'est ce que je dis dans les chapeaux. Et je dis bah oui, parce que moi je suis un mec de rue à la base. J'ai traversé des choses qu'il n'y a que les vrais qui peuvent savoir. Et je pense que c'est même grâce à ça que j'ai pu avoir une longue carrière. Et je suis un vétéran miraculé parce que les gens avec qui j'ai rappé il y a 10, 8 ou 15 ans, il y en a beaucoup que je vois plus, quoi, que je vois plus actifs. Donc. Je me dis, la dernière fois, tu vois, j'avais recroisé un Canadien. Il m'a dit, tu sais, genre, nous, les Canadiens, quand on voit tous tes clips de toute ta carrière et tout, hein, et qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe en France, on a l'impression que tu es un artiste qui a cartonné pendant 15 ans. Tu vois, quand on regarde l'ensemble des trucs, l'ensemble de mes clips, récurrent sur une quinzaine d'années, toujours avec du peps, des trucs, on a l'impression que c'est un artiste qui n'a pas rencontré de difficultés. Oui, c'est vrai, parce qu'on a l'impression que tu es soutenu par le major. Dans la réelle des clips, il y a des clips concept, on a l'impression que sincèrement, déjà gros label derrière soi. En fait. Voilà, il se dit, on n'a pas l'impression que quand tu nous racontes une histoire, on peut pas s'imaginer que c'est si difficile. On a plus l'impression que, vu que tout le monde dit que Mateur c'est un rappeur quand même respecté du milieu du rap, et que tout se passe bien. Justement, toi et lui, musicalement, vous êtes deux constellations opposées. Alors comment s'est passée votre toute première rencontre? Parce que... Non, on se connaissait déjà via Section d'Assaut, je connaissais déjà, mais on n'est pas si opposés que ça. Parce qu'il est artistique. En fait, on est perchés, nous deux, on est deux artistes perchés, à notre manière, on est différents, mais ce qui nous relie, c'est le côté de... C'est que chacun, on est dans notre monde, mais on est artistique, donc on a de la fibre. C'est-à-dire que chacun arrive à ressentir la fibre de l'autre, et puis il a une entière confiance en moi, Ari a une entière confiance en moi. Donc ce qui fait que j'ai travaillé comme d'habitude, comme dans mon studio, à Aubert, comme d'habitude, il n'y a rien, tu vois. Il n'y a rien du tout. T'as vu, j'ai souvent fait des disques ambitieux qui auraient pu, que s'ils étaient sortis en major, il y aurait eu des morceaux qui seraient passés en radio. Sauf que là, je suis dans les gros.
je suis dans les grosses machines, donc quand je fais des morceaux estampillés, même tu vois, pour t'expliquer, mes tubes, c'est même des nouveaux genres de... Les tubes qui sont rentrés à la radio, c'est même un nouveau genre de tube, c'est même pas des morceaux que tu peux te dire, c'est des vrais tubes à la base. Oui, non, c'est des vrais morceaux musicaux au sens noble du terme. Voilà, c'est ça. C'est pas t'es trahi par une musique, une instrumentale facile. Voilà. On le voit à jour peut-être, voilà. C'est un morceau pour moi très fort. Très fort pour moi aussi. Et d'ailleurs, on reviendra dessus plus tard, parce que je voudrais évoquer un aspect assez particulier de ce morceau. De votre union, tous les deux, naît le morceau Laisse-moi te dire. C'est ça. Voilà. Et une fois de plus, comme je sais que tu aimes prendre des risques, c'est ça. Alors, est-ce que c'est toi qui as apporté cette saveur latine ou c'est le truc? C'est lui. D'accord. C'est lui qui m'a apporté l'instrumental, c'est moi qui ai fait la direction du morceau. D'accord. Voilà. Ça veut dire que lorsqu'il m'a amené l'instrumental et que j'ai créé un thème à contre-pied de l'instru, c'est ça qui a fait la magie. Parce que le paradoxe, c'est que c'est un morceau dansant, mais sur des paroles assez tristes. Voilà, c'est ça. Réaliste, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'à la base, le morceau, c'est un morceau qui transmet une émotion de tristesse. Et après, il y a une vibe latine qui fait que ça fait une double émotion. Tu vois, il y a une transmission de double émotion et je pense que c'est ça qui fait que ça a fonctionné. Et lorsque Gims a écouté les paroles que j'ai faites, ça l'a inspiré pour écrire le refrain et ça a fait ça. Laisse-moi te dire que tu perdras, oui, la rue t'obligera à lui prouver ton courage et tu te bats pour une femme qui au final ne t'aime pas, oui, la rue te fait du charme, oui, je t'ai vu dans ses bras, yo. J'ai grandi parmi les youvois, le soir ça allait voler de turfois. J'ai toujours été sûr de moi, des larmes et de la peine autour de toi. J'ai grandi parmi les youvois, le soir ça allait voler de turfois. J'ai toujours été sûr de moi, des larmes et de la peine autour de toi. Il y a plusieurs thèmes qui parcourent ton album, dont un qui m'a étonné venant de toi, parce qu'en fait mon image que j'ai toi c'est un mec quand même qui... une carapace où il a du mal à se dévoiler, notamment concernant la thématique de l'amour, ouais. Et notamment ses peines de cœur. Et là, tu m'as étonné dans le morceau Un jour peut-être. Parce que certes, la thématique de l'amour est abordée souvent dans le rap, mais à travers le prisme de la maman, ouais. Mais jamais pour évoquer leur moitié. Ouais. Tu t'es fait violence quand tu as parlé de ça? Ouais. Est-ce que tu t'aspirais peut-être d'autres idées? Non, je me suis fait violence. Je me suis fait violence. J'ai... Moi, mes albums, je les puis souvent au fond de moi-même, tu vois. Donc, je me suis fait violence. Pour moi, ce morceau, c'est un nouveau classique dans ma carrière. C'est, comme j'ai dit, pour moi, c'est mon deuxième 93 hardcore. On s'aimait, on s'est déchiré, on s'est séparé plusieurs fois. Là c'est fini pour de vrais bébés, pas comme la dernière fois. Mais le cœur ne choisit pas, je kiffe trop sa peau douce. Perdu face au mystère de l'amour. Un jour peut-être. Perdu face au mystère de l'amour. Un jour peut-être. Perdu face au mystère de l'amour. C'est comme ça mon bébé. On s'aimait, on s'est déchiré, on s'est séparé plusieurs fois. Là c'est fini pour de vrais bébés. Tendance oblige. Toi aussi tu échappes pas, tu t'essayes à la trappe, mais pas comme les autres une fois de plus. Mais je m'essaye pas. La trappe censée en fait. Ouais, mais je m'essaye pas. Puis... Comme par exemple Il y en a, c'est d'accord. Ouais. Qui a un peu trappe. Mais la trappe, à la base, mon album, mon premier album solo, Le Général, c'est l'album qui amène la trappe en France. Et c'est l'album qui a été critiqué par ma génération. La trappe, je connais avant même que les gens la pratiquent, puisque je l'ai pratiqué avant tout le monde aujourd'hui. C'est devenu une tendance un peu que tout le monde fait. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les gens aujourd'hui, ils ne font pas de la trappe, ils font du Chicago. Chicago, c'est pas de la trappe. Et tu vois, les gens, ils ont tout mis, tu vois, en France, vu que les gens ne sont pas trop cultivés, ils ont mis trap. Sauf qu'au state, l'équivalent de ce qui se fait en ce moment un peu partout, c'est de la drill. La trap, c'est autre chose. La trap, c'est du Young Jeezy. C'est ça, hein, la trap, tu vois. C'est... Et moi, je fais de la trap. Je fais pas de la drill. Pas sur tous les morceaux, juste sur quelques morceaux. Voilà, sur quelques morceaux. Il y a ces trucs, c'est ce que j'ai toujours aimé faire, mais c'est de la vraie trappe, c'est de la trappe, pas de la drill. Et en France, tu vois, ils ont tout regroupé sous ce qu'on appelle sous la trappe, alors qu'il y en a qui font de la drill. Et c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Alors, 98-99, il y avait un courant qui débarquait dans le sud, c'est le Dirty. Le Dirty South, c'était pas la même chose aussi. Exactement. Ouais. Donc,
C'est vrai que la voix, il y a vraiment des genres bien clarifiés pour... Ouais. La trappe, c'est un peu musique de rue, mais un peu dénonciateur. Tu vois, la suite un peu de New York. Tiens, c'est un peu ça. Et la drill, c'est le premier phénomène de l'inculture face à la culture. Tu vois, parce que l'hip-hop, à la base, c'est une culture. Et la drill, c'est un peu le phénomène de l'inculture face à la culture, tu vois. Ils sont souvent très jeunes, ceux qui pratiquent la drill, et c'est des gens qui n'ont pas vécu les samples, le classic shit, c'est une question générationnelle. Tandis que ceux qui font de la trap, sont des gens qui font partie de l'école du sampling, parce que dans la trap, il y a du sample, il y a autant de la compo que du sample, tu vois, c'est pas pareil. Tu vois, tu as écouté Rick Ross, il en a fait, Young Dizzy, T.I., eux, c'est des mecs un peu à lyrics. Tu vois, mais la génération des vrais trappeurs, c'est la génération qui a eu une transmission de culture hip-hop, et la drill, c'est une cassure. Parmi les nombreux thèmes qu'il y a dans ton album, ton thème de prédilection, ça reste la rue. Et je pense à des morceaux comme El Chapo, Respecte-les. Ouais. Où tu dresses un constat assez pessimiste de la rue, qui pour toi apparemment ne va pas en s'améliorant. Et surtout, tu arrives à justifier et même à comprendre ceux qui passent par le trafic de stup ou le grand banditisme en demandant de les respecter. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui m'a étonné, parce que pour toi, c'est pas forcément en fait des mauvaises personnes. Ouais, c'est une réalité qu'il faut vivre pour la comprendre. Et comme j'ai dit, la vie, tu vois, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc, c'est très complexe. Donc derrière les actes de chacun, il faut toujours essayer de gratter un peu plus pour savoir le pourquoi du comment. Et tu vois, par exemple, quand tu écoutes le morceau « Je suis une légende » et que tu regardes le clip, y a beaucoup de gens vers chez nous qui ont aimé ce morceau parce que c'est pour tous les familles qui ont parcouru des vraies péripéties dans la vie de rue, mais qui, grâce à Dieu, sont encore là, et c'est pas tout le monde qui est encore là. Et voilà, tu vois, c'est faut respecter ça. Parce que parfois, tu vois, il y en a qui vont, ils ont dû faire du mal, mais au final, aujourd'hui, ils peuvent avoir 50 ans et leurs enfants, eux, c'est des médecins ou quoi. Voilà, chacun sa part de sacrifice. On nous dit parfois les pires choses ont été faites les meilleures intentions. C'est ça. Donc pour moi, on peut pas. Il faut respecter ceux qui se battent pour s'en sortir. Tout simplement. Couleur, ça me surpasse, c'est cicatrice. Je vous parle de trafic de drogue dans mon plein de fils. Des chiffres et des lettres, des billets, des nouveaux voix. La voix du gagnant et la soif de pouvoir. La couleur se mesure pas aux cicatrices. Je parle de trafic de drogue dans mon plein fils. Des chiffres et des lettres, des douilles et des nouveaux. La voix du gagnant et la soif de pouvoir. Et il y a une autre thématique que tu évoques dans tes morceaux, qui s'appelle Ouragan, que je trouve très 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 puissant. Tu évoques à un moment donné les attentats de Charlie Hebdo. Cette fameuse phrase, on n'éteint pas la liberté à coup de calache. Alors, d'après ses paroles et contrairement à Booba, est-ce que toi tu es Charlie ou tu n'es pas Charlie ou autre? Ou est-ce que tu n'as pas envie de tomber? Non, moi je suis pas ça. Je suis pas Charlie, je suis pas tout ça, parce que tout ça c'est de l'instrumentalisation, c'est te faire participer à un programme dont tu ne fais pas partie. Donc, se positionner en disant je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, c'est faire partie d'un programme que toi-même tu n'as même pas demandé d'y participer. Tu comprends pas. Quand j'ai dit cette phrase-là, c'était pour parler à tous les musulmans de France. Tu sais, aujourd'hui, l'islam est instrumentalisé à mort dans les médias comme une religion de guerre, tu vois. Et vu que nous ne sommes pas dans un pays musulman, il y a très peu de gens qui ont la connaissance de la culture de l'autre. Donc lorsque tu sais qu'on est en pleine instrumentalisation de ta religion, eh ben, il y a des actes qu'il faut bien réfléchir avant de les faire, parce que les gens ne vont pas, avec la violence, faire l'effort encore de mieux nous comprendre, encore moins. Ils vont encore plus s'éloigner de la compréhension et de l'intéressement même de savoir ce qu'il y a écrit dans ce livre qui fait que tu... Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, il est important de pouvoir avoir l'occasion
de montrer que la religion de l'islam est une religion à la base, une religion de paix. Mais les gens ne le savent pas. Parce que, surtout qu'aujourd'hui, en plus, on est encore dans une époque beaucoup plus communautaire, qui vit plus dans le communautarisme. Moi, quand j'étais petit à l'école, il y avait des Français, des Noirs, des Arabes, et tout était mélangé. On ne se posait pas la question qui était qui. Il n'y avait pas la question, on ne se posait pas la question. Quand on devait aller à l'école et on disait mercredi, on va tous aller au McDo, on va tous aller au McDo. Plus tard, chaque communauté a commencé à se rapprocher un peu de sa religion. Ça, moi, je l'ai vécu, je me rappelle très bien. Et après, il a commencé à y avoir le kasher, le halal, tout ça. Donc, ce qui fait que aujourd'hui, maintenant que ça s'est bien installé, ces réseaux-là, un petit, dès qu'il est petit, un petit juif ou un petit musulman, il va dire non, moi je mange que dans mes restaurants. Donc, ce qui fait que quoi? Il ne connaît que ses semblables. Contrairement à nous. Et ça, tu crois que ça peut être le cancer d'une société communautaire? Ouais, c'est le cancer d'une société. Parce que nous, par exemple, ma génération, je pense que je suis la dernière génération qui a eu l'occasion de connaître la culture de l'autre, parce qu'on était tous mélangés. Donc, parfois, on pouvait aller chez un pote que lui, c'est telle confession, telle race ou tel truc. Hein. Donc, on sait un peu comment ça se passe dans les maisons de chacun, ce qui fait que ça nous enrichit. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand je vois les nouvelles générations, je vois la richesse intérieure qu'on a, elle est multipliée par 1000 par rapport à eux. Parce qu'aujourd'hui, tu vas prendre n'importe quel petit mec de cité, ils ont grandi qu'entre mecs de cité, ils vont manger direct dans les restaurants que halal, nananiana. Donc, ce qui fait que quoi? Ils ne se connaissent que eux. Et vice versa pour toutes les autres communautés. Et après, ça fait que, avec l'instrumentalisation, les médias, tout ça, lorsqu'on instrumentalise l'islam en disant que c'est une religion de guerre, ils ont vraiment l'impression que les médias ont raison. Puisqu'ils n'ont même pas connaissance de leurs voisins. Ils peuvent même finir par s'embrouiller avec un pote. Ils peuvent avoir un pote musulman qu'ils ont toujours eu. Après, ils ont vu les problèmes de Dieudonné, Charlie Hebdo, Nanani, Palestine, Nana. Et à la fin, ils vont plus se parler. Parce que les médias, ils ont réussi à les matrixer dans leur subconscient, alors qu'eux, réellement, ils se connaissent et ils savent en vrai qui est quoi. Est-ce que tu comprends? Donc en fait, tu vois, rentrer dans les « Je suis Charlie », c'est participer à un programme que nous, on ne doit pas participer en vrai. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi, si tu le permets, Mac Taylor. C'est la mort récente de ton frère Bigou, paix à son âme. Et notamment à travers cette lettre touchante publiée sur toi, FB, où tu as incité les familles victimes du même drame que toi à rejoindre dans ton combat contre les erreurs médicales fatales. Qui reste souvent impuni d'ailleurs, juste pour info. Quels ont été les retours suite à cette publication? Est-ce que tu as reçu beaucoup de... Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont manifestées? Ouais, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont manifestés pour dire qu'ils soutiennent le combat, pour me dire, et parfois on a reçu des messages parmi les chirurgiens. Après, tu vois, les avocats, ils m'ont dit d'attendre. On sait qu'il y a une procédure en cours, qu'il ne faut pas en parler, ça je le sais. Ça, on ne peut pas en parler. Mais concernant les gens, est-ce qu'ils se sont sentis aussi touchés? Solidaires de la, du drame, de l'engagement. Ils savent tous que ça va être long, donc que c'est très technique. Donc là, en ce moment, on n'en parle pas trop pour justement ne pas nous causer du temps. Et ça va être quoi la suite? Ça va être peut-être de créer une association par rapport à ça? Je sais pas. J'attends déjà de... J'attends de voir déjà certaines choses. Ok. En tout cas, on te souhaite encore un combat de plus à livrer pour le général que tu es. Merci. Et d'ailleurs, c'est sur ce mot que je terminerai cette interview en proposant trois citations, incluant le mot général. Mais tu devras en choisir seulement une seule qui te correspond le plus. Alors la première, c'est un proverbe chinois qui dit la chose suivante. La valeur d'un général réside dans sa stratégie et non dans son courage. Là, c'est une citation de Jean Cocteau. Un général ne se rend jamais, virgule, même à l'évidence. Troisième, c'est un proverbe chinois, encore une fois. Les soldats se plient aux ordres de leur général comme les herbes se plient sous le vent. Laquelle des trois tu choisis? Je n'hésite pas à la première. Je m'en doutais. Peut-être pas la première, c'est pas vrai.
La valeur d'un général réside dans sa stratégie et non dans son courage. César, Alexandre Legros, ils ont été des grands stratèges. Voilà, en tant que généraux. Voilà, donc en fait, si ça rate, c'est que tu as confiance en ta stratégie, donc tu es courageux, tu vois. Je vois bien la première parce que je suis un peu comme ça, moi, tu vois. Je m'en doutais. Genre, ouais, vas-y, on va dire la première. Donc, si j'aime la formule, elle n'est pas au max, mais vas-y, on va dire la première. D'accord, bah écoute, c'est sur ce proverbe chinois qu'on va se quitter, okay. McTayer. Je suis vraiment heureux que tu sois passé par chez nous, dans l'émission La Rencontre 2. Je souhaite longue vie à cet album, qui se prolonge via les concerts, qui se prolonge via les clips. Et on te souhaite tout le bonheur du monde pour ce disque. Merci. D'autres albums encore à venir, je l'espère. À la prochaine, McTayer. En te souhaitant une fois de plus encore le meilleur, et aussi de traverser cette lourde épreuve que tu as vécue à toi, ainsi qu'au tien. Et force et courage à vous tous. Merci, voilà. Merci McTayer. Merci.